passes l'épicerie chez toi. Comment ça se déroule? Bien, c'est facile. L'épicerie, c'est moi qui a fait parce que je vis seul. Puis, en même temps, c'est un moment pour moi qui est très important parce que l'alimentation, c'est une priorité. Donc, quand je vais à l'épicerie, généralement, c'est déjà ce que je veux. Mais ça me permet aussi de relaxer. C'est comme un moment où ça me permet de regarder d'autres choses en même temps. Puis, je visualise mes prochains repas. Il y a une question récemment qui brûle les lèvres. Ton alimentation dans une journée, ça ressemble à quoi? Moi, je suis comme un gros bébé de 300 livres. Je mange aux 3 heures. Fait que je mange entre 6 et 7 repas par jour. Est-ce que tu es le genre de personne qui aime recevoir ou tu es plus le genre à être reçu puis à apprécier ça? Moi, j'aime recevoir, mais l'été. Grillade, barbecue. Oui, à l'extérieur. Je trouve que c'est vraiment convivial. Puis j'aime ça faire à manger. Là. J'adore faire à manger. J'aime ça prendre mon temps lorsque je le fais. Puis je trouve que lorsqu'on est à l'extérieur, mais ça se prête plus à ça parce que les gens peuvent se baigner, peuvent prendre un cocktail, prendre un petit verre. Puis pendant ce temps-là, bien, tu peux faire à manger. Il y en a qui peuvent t'aider. Puis par la suite, bien, la partie le fun, faire cuire la viande. Hey, merci, Hugo, d'avoir pris le temps de faire l'épicerie, bien, de me laisser faire l'épicerie avec toi un petit peu et découvrir tes trucs, finalement. Tu manges presque comme tout le monde. Finalement, je suis comme... C'est quoi? C'est plus gros. Un petit peu plus gros. En passant, mais je vais aller changer de panier parce que... Oui, tu viens de le briser. Il est un petit peu petit.